Gagnez nouveau DG la police Ramon Amil qui dédouin installé jeudi 20 juin mais quelques arrangements qui a fait là jusqu'à présent et c'est matin vendredi qui c'est 21 juin que DG Rameau a installé comme nouveau DG la police là pour une deuxième fois pendant que Napson Ramon Amil était passé comme directeur central police judiciaire et Rameau qui vient prend poste et DG la police en 2020 et lui retourne l'autre fois encore là comme DG la police et pour un petit bout de temps que me garder comme ça AI même Jean avec Franz LB qui lui même t'a dirigé pour ça n'a dit que Désir Venesse encore question insécurité hein m'a toujours dit et m'a répété li pas question ou DG la police seulement li pas question chaîne commande la police non li pas seulement question gouvernement li pas seulement question la présidence avec conseiller yo li c'est question tout haïtien et qui conséquent qui voulait gè sécurité qui voulait gè la paix en d'un pays qui doit engager dans une bataille contre question insécurité d'un de je dis que insécurité yon, lisse yon chaîne et chaque maillon en une chaîne ça compte. Parce que si je dis en là, y a mené bataille contre bandi, c'est vrai. Pendant ces temps, zam continue à entrer dans le port, dans le droit nous, dans l'aéroport nous, mais c'est la même ici à terre. Et si je dis en là, y a pas mettre de contrôle de surveillance strict dans le droit, dans le port, aéroport nous, des Ivenes, question de sécurité, hein. N'a fait carré, n'a mera, ou ap touye iso, ou ap touye barbecue, ou ap touye tilapri, ou ap touye tout bandi yo. Après 5 ans, 10 ans, 20 ans, n'a retourné dans la même situation encore. Et je dis, hein, m'a dit clair, si pas que ça n'est relé, ou bien une bonne disposition qui prend, pour que, définitivement, que pays a pas qu'on est question mission. Parce que dans l'intervalle 30 l'année, pays a presque connaît 10 missions internationales. Ça veut dire que nous connaissons que l'international a gagné intérêt dans des zones de pays. Nous connaissons que l'international a gagné intérêt dans l'instabilité et dans la crise en d'un pays. Et c'est au même tout qui utilisait de cons et de traite en Haïti pour capable créer une sécurité. Et je dis à nous besoin de monde capable, de monde qui a volonté et de monde qui dit que c'est haïtien, yo prêt pour capable défendre intérêt pays ça. Parce que n'est pas normal pendant 30 l'année presque n'a pas de prendre mission sous mission. Et je dis à nous dit clairement, question venir Kenya ça en haïtien, moi-même jusqu'à présent, m'a dit non, m'a dit oui, mais encore m'a dit c'est cet homme que nous y est et c'est là n'a quoi dans question mission Kenya ça qui vient en Haïti parce que je dis hein nous pas aucune garantie encore comme capable baiter moins après 2 semaines après 3 semaines si pas que on l'autre temps qui pas encore pendant ce temps je dis là est-ce qu'on capable compter après tant de mission kenyan n'a dit clairement que la police non, comme force légale l'armée a comme force légale eh bien, doit gagner moyen nan men yo pour commencer à agir et ben résultat avec question sécurité des Ivenes. Ben situation dans chaque fois nous croiser dans espace ça qui c'est calme vérité, c'est toujours gros plaisir. Nous saluons tous les amis internautes qui tout partout à travers le monde là qui regarder et tendez pour yo capable informer installation continuer dans ça qu'il y a avec personnalité qui choisit pour venir faire partie gouvernement Gary Conille et eh bien premier ministre docteur Gary Conille installé dans journée atteint hier ministre délégué et auprès du premier ministre qui chargé dans ça qui vient pour avec question assainissement et dans institution d'état qui trouvé dans situation très difficile et le fait quoi la goumé contre ça qui est corruption côté Gary Conille prend disposition soit pour écarter environ 30% des employés qui toujours absent dans ça qui vient avec question job yo parce qu'il a touché l'argent d'état yo pas décidé vinn travail ça permet à Gary Conille qui décide dit l'a mené gouvernement niant et sous base pour combattre la question corruption parce qu'elle dit zéro tolérance pour tout corrupteur qui fait partie et gouvernement qui a fait corruption pour aller ensemble des valeurs que pays a gagné et bien li prend bâton pèlerin pour continuer avec bataille là les personnes qui portent l'espoir bah en pile monde parce que yo connaît ça qui passe dans le pays facteur qu'il y a avec question corruption li pas exempt les personnes et commissaire Miskaden frappé. Commissaire Miskaden frappé, on taureau qui est le Barthélemy Wilfried et qui est sinon jouet li, pendant green, monsieur tombé en babal, commissaire Jean-Ernest Miskaden, dans la localité qui est le Saint-Michel,
en bas mon bossé matin qui était jeudi 20 juin 2024 là. Qui est-ce monsieur? Eh bien monsieur, ça fait partie réseau criminel qui dans Mariani que Boutba a dirigé. Eh bien commencer une réaction qui a tombé après Nomil Ramo retourner une autre fois dans tête police nationale d'Haïti. C'est cas syndicalisation, vous voulez parler de Sinapoa qui réagit après nomination Nomil Ramo dans tête police nationale d'Haïti. Yo dit que au grand acte de nomination Nomil Ramo dans tête police nationale d'Haïti dans un contexte qui difficile. Yo souhaite mettre au travail, mettre le bon côté toutes ressources dans la police nationale d'Haïti pour capable bail résultat que peuple haïtien prétend parce que problème insécurité qui a brassé le pays a, il fait tout le monde peur, il fait tout le monde crainte, tout le monde pas évacuer avec activité dans pays à blesse personne. Yo Jemine et Joli Dionyon. Yo dit cofondateur ou bien fondateur 400 Marozo qui te les caravanes notre avant et ben li pratiquement jugé ou bien tendé par yon procureur aux États-Unis d'Amérique qui te ouais prison à vie pour yon mais avocat yo si au moins yon ka passé 17 années dans prison selon ça yon mandé avec procureur mais on nous dit yon pas arrêté là yon poté yon ensemble des accusations contre Jean-Renel Senatus ancien sénateur ancien commissaire du gouvernement et pour Kounia, Jean-Renel Senatus obligé de raconter. Jean-Renel Senatus, vous j'étais bien loin, dit par contre bagarre comme ça, c'est menti yon a fait sous lui. Ou ta ka dit, semble c'est moi-même avec Blaise qui baye zam qui dans ghetto yo, semble c'est moun kap gade n kap tande yo, qui baye zam qui dans ghetto yo parce que quel tenè qui dans secteur privé des affaires, yo dénoncé, yo dit yo pa konnen. Quel tenè qui a fait politique, bon dit yo dénoncé, qui dit que qui kite konn baye zam, yo dit yo pa konnen parce que li important, li nécessaire pour chercher konnen. N'a permettre à travers l'émission ça, diverses réactions qui fait tout ça qui vient pour avec bataille politique, soit pour trancher gâteau, et si là qui dit en opposition, tant qu'on a écrit le Jean-Tel Joseph, ancien directeur à Napla. Jean-Tel Joseph dit, n'a pas de flamboa, li pas baissé, il a continué à être en opposition. Li annonce divers mouvements qui t'a de fait en d'un pays, contre conseil présidentiel de transition, contre gouvernement si là, li estime qu'il a pris ensemble décision qui pas en faveur de pays en expression. Ensemble pour ça, beaucoup de panneaux. Pour faire essentiel à analyse en dans l'émission ça qui permet que moun yo qui sont chez ba dans mitan kalfwa pour ça passer dans pays d'Haïti les situations et m'a pas ajouté me dit Desivenes gagne PM ga iconique organise une séance de travail avec différents cadres différents et cadres dans de organes de concentrer l'état qui gère question et question corruption question surveillance en dedans l'état ben ga iconique qui organise ça travail ça avec responsable la Cour des comptes ULCC UCREF et avec les et ensemble de ministres qui pour garder fournisse garder comment qui pour travailler ensemble dans question et corruption et Gaïkoni encore dit que l'affaire de corruption hein, et choix bataille parce que il dit clairement je dis hein, question 30% attendez bien désir 30% l'argent qui a sorti dans la caisse l'État, qui a payé un ensemble de rocades ou bien un ensemble de fonctionnaires l'État, alors que moun sa ou pas vivre en Haïti dans le moment elle dit moun yo va dans pays hein. Alors que chèque est toujours sorti. Mais Gary Koni dit que l'IO prend prendre des dispositions pour que l'agent soit capable de retourner dans la caisse de l'État et permettre que l'État lui-même capable de jouer l'agent ça pour apporter des réponses avec Desiderata, pardon, peuple haïtien. Et là, dit que ce n'est pas le premier gouvernement. Et qui toujours dénoncé ça yo. Moi, je songe que Jovenel Moïse te coupé et plusieurs milliers de chèques zombies dans l'État. Et ça te crée un pile parler en pile. Ça te fait un pile bouche l'ouvrir. C'est des pratiques qui a répété souvent. Mais je dis, m'da souhaité que PM Koni, que décision ça que la prend avec toute l'équipe client, que c'est une décision définitive pour que l'État pas continue à payer zombie, pour que l'argent contribue à bio, à jeune sous forme de service. Et si mon n'a pas dans le pays, physiquement, que le pape servit l'État, c'est normal que l'argent ça pour pas jeune encore, que l'irrité dans le trésor public, tant que l'État continue à service avec le peuple haïtien. Mais et pas question que nous prenons couper ça pendant ces temps. L'agence ça pas faire le bagaille, mais monsieur pour que vraiment bataille contre corruption que il fait réellement, mais enfin nous permettre que l'agence ça on a coupé chèque ça yo pour rester dans boîte l'état, mais faut que yo capable et peuple haïtien capable de jouer bon service avec lui, la
police est capable de jouer un bon matériel, capable de bon gens entrant dans l'hôpital public et accès de santé, mais vous êtes capable de faire, et si vous êtes capable de manger dans la salle de classe, mais ça permet que les ça, l'agence a eu que y a parlé, les que vous prenez vraiment, n'après que l'ibaye résultat, parce que n'a dit que oui, mais l'idée important pour que vous coupé l'agence a eu. Je dis à des Ibanez, encore n'a dit, en pile mobilisation a fait dans le niveau bas d'Elma, et n'a presque tout ghetto honnête, gen en pile projecteur li men sous Badelma, village de Dieu, Grand Ravine, Tibois, la plaine quoi des bouquets, dans Tomazo, dans Gantier, dans La Saline, dans Savien, gen en pile projecteur, en pile schéma à tracer là. En pile schéma tactique technique à tracer là depuis que Ramon Amil lui-même, il a déjà été nommé la police, il était déjà rentré dans pays samedi passé là. Elle dit, Rameau, non, mais il commence à travailler sans que l'hypoco même installé. Parce que l'icône voit l'État déjà. Il passe comme responsable de CPJ. Il te passe comme directeur de la police. Ça veut dire, l'icône tout comment pour commencer à travailler. Installation, c'est une forme. Il faut qu'il respecte, il faut qu'il fait. Mais travail, Rameau, c'est ça qu'on apprend. Il commence à étudier là, commence à déplacer les points, mettez les y. Parce que je dis, elle dit que l'icône obligation pour bail résultat et l'idée bail résultat. Ça, c'est clair sur ça, des Ivenes. Très bien. La situation, Normil Rameau, qui passait comme DG Police Nationale d'Haïti déjà, qui retourne dans tête la police, nous croyons que les gagnants ensemble des tactiques, les gagnants ensemble des principes, surtout le commencé dans la bataille anti-gang dans le pays déjà. Dans le moment, et l'homme sans jour, pas de volume, zame qu'elle gagne là-haut. Dans le moment que l'homme s'en joue pas de puissance qu'elle gagne là, je veux dire, parce que en pile qui est dans le secteur privé des affaires, en pile monde qui est dans la diaspora, pas de qu'on alliance avec l'homme s'en joue. Nous avons un kawé, l'homme s'en joue à travers les oyo qui commence à citer non de nek qui est dans la diaspora, qui participe des pays, quelqu'un collaborer à Kyo, soit dans le bar ou l'argent, et en échange avec Zam. Je dis que c'est important que M. Normil Rameau, comme le directeur général de la police nationale d'Haïti, lui qu'on est. Rivel dans tête police nationale là, c'est pas un 4 en blanc Théobali, c'est pas un chèque en blanc Théobali. Mais c'est un job, yo estimé, yo analysé, yo gardé, c'est pas vous même seulement qui était sous table là. C'était divers anciens directeurs qui étaient sous table là. Chance pour M. Normil Rameau, c'est vous même qui avez choisi. Problème insécurité qui gagne dans pays là. Tout le monde connaît pour moi un problème insécurité là, ou gagne le département de l'Ouest. Qui c'est yon nan gros parti, nan gros morceau nan question insécurité a, le département de l'Antibonite que ou pa doué ignorer. Sou pa ba résultat, nan sam département sa yo, nan bataille que ou doué vin mené, insécurité a, c'est comme si ou vini ou pa fè rien. Kounye a, comme Normil Rameau te démissionné, l'inspiration, là le témoin de moyen, avec Joseph Jout, qui yon te pété l'obé entre yo. Ok? Yon te nan CSPR nan sam, yon pété l'obé entre yo, yon ap dénoncé l'autre, yon ap dit le témoin de matériel, le témoin de moyen. Il n'est pas capable, parce que pour la police, il est efficace. Il a besoin d'un ensemble d'intrants ou matériels qui sont disponibles. Il a besoin de services de renseignement qui sont bien activés, qui sont capables de l'opération déjà faite sans police pour qu'on présente sur le terrain. Parce que automatiquement, le renseignement bien fait, l'inspiration, l'opération, il y a réussi, il connaît mais qui ça résultat à pied, mais qui ça résultat à pied. Si il y a des victimes dans la police, il connaît si il passe dans route ça, il y a des victimes dans la police, mais qui gens qui ont dû protéger ensemble agent qui a déplacé. Mais comment il a fait pour atteindre cible depuis renseignement, il a travaillé. C'est ça qui est le premier bagage qu'il a travail. C'est point et l'argent qui a touché chaque mois 15 millions, 60 millions qui a touché pour question renseignement. Dans différents ministères, dans différentes directions générales, ils doivent permettre qu'ils servent à bon escient pour permettre qu'ils gagnent des informations qui reviennent aux autorités dans la police et dans la justice pour qu'ils fassent le travail. Ou n'y a plus de doute qu'ils n'ont rien. Est-ce que boîte là va toujours générer des corrompus, des criminels, des assassins qui font un seul avec gang qui a veillé? Parce que, ouais, pièce intervention ou opération, pas planifiée. Bon, par contre, comme Franck Selbe parlait des opérations qu'il fait, mais nous pièces pas elle visible opération qu'il fait. Ensemble, intervention yo, ou bien ensemble, patrouille policière qui victime dans des espaces, c'est parce que gain infiltration en dedans la police. Normil Rameau, ou pas ta venir d'un coup pour faire 26 en dedans la police. Mais ou besoin entendre pour travailler sur un plan pour nettoyer l'institution. L'important pour essayer d'entendre, ouais,
pendant la transition, si vous avez joué, rendre que la police, non, c'est vrai, c'est une entité dans l'État, mais au moins il est indépendant de concentrer des décisions politiques. Ça que fait la police, qui est typiquement technique, qui fait le macabre résultat, c'est le regarder, c'est le premier ministre, c'est le président qui est obligé de faire l'autre sous tout ça que le directeur général de la police a fait. Ou bien c'est un ambassadeur qui doit faire l'autre sous ça qu'elle fait. Depuis c'est comme ça. Norvin Ramo, retourner vite à diriger. Après l'expérience qu'elle te fait, l'expérience de Bral Kassidon. Nous souhaitons mariage police-population dans chaque ghetto, dans chaque espace, quartier de non-droit, quartier qui a gang qui a fonctionné là-dedans. Norvin Ramo, arrangez pour mettre pied à terre, pour nous connaître que grand monde dans la cas là, qui pas poté. Quand son poubelle tout qui vient dans cette direction la police. Et Gary Conny, Edgar Leblanc-Fils, nous promettons pour nous accompagner. Normil Rameau, accompagner les policiers dans toute opération qui a mené, et nous connaissons pas pour compte, parce que madame, yo, petite, yo, maman, yo, là où sorti, y a imaginé, c'est comme si vous étiez dans l'opération tout. Parce que vous avez sorti, vous pas rentré, vous avez code Marie Saint-Yo. Côté encadrement, les policiers, pour encourager la caille, là où pas quitter la caille, si vous êtes tombé dans le combat, pour petit, vous avez gratté tête pour connaître qui j'en étudie pour le faire assurer. Madame, non, pour pas de problème. Pour le parti qui j'en calibre à le faire payer, nous devons assumer responsabilité nous. Non, mais nous avons besoin de faire ça. Et ou capable, ou gain capacité, ou qu'on institution, ou qu'on tout n'est ou à question, 11 familles, Jean-Rébel Dorsen a parlé, cap 20 âmes, cap 24 touchant dans le pays. C'est yon nan bagay qu'on a de chercher, Jean-Rébel Dorsen a pour une bonne information sur ça. Parce que c'est le premier côté, ou à kamer un problème, insécurité qui vient dans le pays. De pour aller dans ce sous-là, problème dans résoudre la situation. Désir, ou est-ce que dit, comme vous êtes anticipé sur lui, et ça va pas empêcher que nous tournions sur lui encore, mais bon, tout ça m'a dit, ça m'a dit. Moi, dit plusieurs fois, et nous dit, m'a dit moins. Nous dit plusieurs fois. Nous répétons plusieurs fois. Résoudre l'insécurité qui est là, n'est pas une question de DG la police seulement. Parce que l'insécurité, c'est une chaîne qui est liée. Et chaque maillot en une chaîne est important. Et c'est ça qui va nous insécurité. Est-ce que nous connaissons que nous avons bouqué tout le monde qui là yo? Mais depuis que 24 permet zam à cartouche la rentrée, nous pas bloqué et laver Messi atelier. Si nous avons mettre bon de surveillance, nous pas nous yo, dans aéroport nous yo, notre douane nous yo pour permettre que nous gagne contrôle rentrée zam à cartouche qu'a fait en dans pays. Et laver Messi atelier. Et là, Messi atelier. Parce que je dis, hein, vrai que ça ne besoin pour résoudre ça comme problème de sécurité, hein, faut nous commencer à bloquer 20 côtés de Zamakat sur sorti. Quel que soit le droit au Cap, Port-au-Prince, Maxac et Miragual, quel que soit le droit que lié, pas que lié, hein, c'est bloqué côté Zamakat sur rentrer. Hein. Et nous revenons avec Jean-René Senatus. Monsieur Zoubagay, dans la question à qui ça sonne, on peut te souligner. Et monsieur, il y a deux bagay, monsieur dit. M'ba prend ça, dit à vous l'évangile, non? Mais moi, ici, la désirvenesse, nous souvent répéter ça. Nous souvent répéter, et un peu moun répéter le tout. Nous toujours dit que, les vraiment après de disposition qu'après en de pays pour déchouquer, pour mener bataille en sécurité, hein? Et surtout, dans identifier Mandia Sapatio, yon ekta kou Jean-Rébel Dorsena, l'ap capable utile. Parce que, à travers commission CNDDL, Jean-Rébel Dorsena, li konne monsieur et monsieur certain, gen de réunion nan non l'État que te kon al fait avec yo. Li kabay un bourad avec l'État. Pour di me qui est ce que yo ye. Sénatus dit ça. Il dit Jean-Rébel Dorsena konnen et le dit qui est-ce qui dans question gang dans question bandit en un pays. Et toujours dit ici ne pas dit que Jean-Rébel Dorsena li nan bagay nou, mais le fait que tu dans commission CNDDR l'état te mette sous pied mais pour t'es capable il fait comme si comme de intermédiaire avec les gars mais donc li konnen yo li konnen qui est soyé li ka aider l'état dans bay des informations. Et l'autre entité que Sénatus dit, l'icité non, on dit les États-Unis. On dit, yon connaît qui est-ce qui gagne yo. Yon connaît qui est-ce qui a financé Zam en train de payer.
Moi-même, m'a dit ça clair, pas moi qui a dit. C'est tout en là de experts États-Unis a dit que gè côte sud état Floride États-Unis et on a côté pile ça me sorti oui. Et on a côté pile ça me sorti oui. Et yo te même dit yo identifié qui est groupe, qui est secteur, qui est association qui a bay zam sa yo. Eh bien, ça veut dire si États-Unis quel ban bourad là. Et me songe en mois juillet 2023. Te gen un groupe haïtien dans diaspora États-Unis qui t'a planté piquet devant la Maison Blanche. Yo t'a demandé avec administration Biden Harris là. Tant pris souple aider Haïti dans bloquer van zam à cartouche qui va entrer en Haïti en bloquer. Bloquer et au capable bloquer. Parce que tout ça qui a sorti États-Unis pour entrer en Haïti, yo get coordonné yo. Yo get coordonné yo. Parce que vous manifestez. Exactement. Parce que la difficile pour nous sortir en bagage non le pays pour entrer États-Unis. Bah dit pas possible non, mais toute porte d'entrée États-Unis au contrôlé. Et c'est menti, dit menti. Toute porte d'entrée États-Unis au contrôlé. Bah dit que on monde allez de moun ka toujours tenté rentrer avec des bagages illégaux États-Unis, mais mon cher, moun a pris un gros risque. Parce que tellement de contrôle de surveillance. Et même surtout, même surveillance se mettait dans la porte d'entrée ou mais yon mettait même surveillance à tout dans la porte de sortie ou pour qui ça fait, yon pas prendre de disposition pour aider nous dans empêcher que ZAM à cartouche entre en Haïti. Yon capable. Yon capable. Peut-être c'est vle ou pas vle. Peut-être c'est la situation haïtien li fait ou bien. Ça fait la petite jeudi. Réseau de sécurité, li c'est exactement. Yon chaîne. Et chaîne ça, c'est celui pour nous agir. Identifier chaque maillon yo et garder degré important chaque maillon yo pour nous capable agir sur yo et pour nous jouer un résultat que nous souhaitons. Désir Venesse. On va avancer parce que Melvin est avec Gaye Kouni. Moi-même, je pense que les États-Unis, tant que Jean et sénateur Sénatus Dil, et nous dit là plusieurs fois, gagne des associations, organisations internationales qui disent plusieurs fois. Blaise Peterson, pour un monde voyer un conteneur, pour monter sous bateau, bien sous bâtiment, ou à l'avenir, il n'y a pratiquement pas de parcours qu'il fait. C'est-à-dire, depuis qu'il a chargé, il y a des contrôles qui ont été sous lui, pour monter bateau, il n'y a pratiquement pas de manifeste. Et ZAM, dans côté ZAM, il y a l'acheté, à côté cartouche à l'acheté, à moins que il y a parlé de l'État Texas. Yo fait quoi que zam vann tant que j'en ai pas tout monde quand privé non on mat l'aller l'acheter ton bagage et sans pas demander mon trop bagage trop exigence mais les gè côté zam yo a sorti tant que dans sud état Floride yo dit zam a sorti mais pour mon yo acheter zam dans les situations yo besoin au moins pour yo bay soit ID yo y a ba un bagage quand même qui pour identifier si elle cherche qu'on est y a besoin information pour qu'on est. Qui est-ce qui achète? Non, mais qui est-ce qui achète? À qui destination qui l'achète? Pour qui ça l'y achète? By qui est-ce la voué? Zam l'y achète? Est-ce qu'elle vous compagnie sécurité? Est-ce qu'elle est dans l'armée? Est-ce qu'elle est dans la police? Mais kounya, ensemble, moun sa yo qui a autorisation pour acheter Zam yo. Pas oublier, c'est le ministère de l'Intérieur qui chargé pour question modèle autorisation sa yo. Kounya, on regarde, bon fois chaque nègre qui passe comme ministère, comme ministre intérieur. On a chaque nègre qui passait comme ministre intérieur. On a chaque nègre qui passait comme ministre défense. On a chaque nègre et femme qui passait comme ministre justice et sécurité publique. Parce que, ensemble, ça y est, si les États-Unis pas décidé de bah, écouter mais pour résoudre, li, mais l'État cap Angel pour chercher à résoudre ça, là, tout simplement besoin d'investir plus comme côté au bras, plus sécurité pour faire plus d'argent à travers Foyo, Douanio, mettre des mesures de sécurité. Pour quel que soit mon nom, quel que soit pour privé, quel que soit pour l'État, il faut qu'il y ait une vérification qui fait sur vous. Il n'y a pas qu'à dire qu'il vit dans le pays, qu'il est grand nègre, qu'il fait partie de l'oligarchie, qu'il est propre privé. Il n'y a pas de douane qui n'a pas de supervision qui fait sur lui. Agent douane, il n'y a pas qu'à le checker. Ça permet que nous trouvions nos situations. C'est parce que nous avons ensemble de monde, que nous exonérions, nous avons ensemble de monde, que nous protégeons, nous quittons dans l'anonymat, pendant que nous comptons ces criminels, assassins qui sont. C'est pendant que nous comptons ces hommes qui ont bouleversé le pays. Yo essaie donc diviser peuple en plusieurs classes. OK? Je tiens à parler de la bourgeoisie. Moi-même, tout le temps dit Haïti pas une classe bourgeoisie qui n'a pas parlé.
Il y a une classe qui a mangé, une classe qui a un grand goût, une classe qui n'a pas mangé même. C'est comme ça lié. Et il y a Antonio, une classe qui a mangé, il a arrangé pour classe qui a fait effort, pour le monter, pour le au moins. Même qu'elle n'a pas mangé trois fois par jour, il mange parfois par jour. Il a arrangé pour le grand goût dans une situation très difficile. Et ensemble des décisions, ça vous prend. Chaque élection organisée dans le pays. C'est ça que, monsieur Dame, ça y est, qui est dans la transition. Il y a besoin d'assurer pour le aller soit dans la poubelle de l'histoire ou bien pour y aller dans Mipana comme de monde qui fait des travail extraordinaire qui mettait pays à sous rail développement et puis écarter ça qui est avec déséquilibre social. Jeune garçon, jeune femme, je dis jeune femme à vendre col, lui obligé coucher pour le manger en place spaghetti. Faut que nous entendons pour gérer question ça, pas occuper pays qui a dit ces 100 millions, il y a tout simplement gain intérêt. Ça n'a pas demandé les États-Unis pour le faire là, la difficile pour le faire lui parce que c'est son marché que nous gagnons. Marché nous en libre. Lui-même, c'est pour vendre qu'elle gagne. Il y a un rapport entre offre et demande. Lui-même, c'est offrir la pour ou même moi demander. Je dis, pour peuple haïtien, dans le quartier défavorisé, demande ça nous fait, c'est nous qui pour arranger nous. Monter une ceinture de surveillance. Pour nous dire que nous avons vendu dans le pays, mais quoi maman, mais quoi papa, il n'est pas possible pour nous continuer à vendre dans le pays. Et nous connaissons. C'est pas ça, mais dans ce nation qui connaît nous. Il y a des qui dans la classe politique, qui fait politique avec les gens, qui tout le temps prennent des têtes de camion dans les gens, qui prennent des vieux blocs motocyclettes dans les gens. Il y a des pays hôtel pour les gens. Mais aucun des gens, ils ne pas dénoncer parce qu'ils n'ont pas de madame, ils n'ont pas de petite dans le pays. C'est ça fait quel que soit le groupe nègre qui t'a dit qu'ils ont remis Haïti, c'est patriote, qui a venu diriger la blessée personne, madame, ils ont petit, ils ont dit là. Parce qu'ils ont fait pays à tourner l'enfer. Si ils ont venu dans l'enfer, ils ont dit qu'ils ont dirigé l'enfer, ils ont allé déjà. Ils ont passé dans l'administration publique déjà. Ils ont décidé de retourner. Et bien, si vous retournez, retournez avec toute famille. Madame ou petit tout, frère ou soeur, ou parti, ou à serrer aux États-Unis, avec pile l'argent, qui ont boté notre trésor public déjà, ou acheter belle caille. Ça, ou calé au Canada qui achète des villas. Je dis, gouvernement canadien, américain, saisis-vous, parce que vous te connaissez des voleurs, c'est des assassins qui étaient, vous te connaissez pas de gens sérieux. Je dis, c'est ça, on le fait. Toutefois, qu'on dit la bataille contre corruption. Mais il faut que nous mettions barrière pour négocier, pour nous boter l'argent. Non, administration publique là, où y a voyé, payer l'école, payer kay, pour Timounio aux États-Unis, Canada, la France. Parce que moun sont pas en faveur. Chaque temps moi y a parlé, yo dit les États-Unis, le Canada, la France, zanmi Haïti. Même beaucoup j'en connais, on fois, on paye que ou te goumé avec l'armée qui était plus puissant à l'époque, ou prend indépendance, ou fait première révolution comme peuple noir qui baille goût avec liberté, ou pense moun sont pas remé ou. C'est même gens a rappelé qui gens des salines important pour nous et comme ça ils ont changé Napoléon Bonaparte eux-mêmes. C'est comme ça ils ont changé. Ou parce que chaque fois que on haïtien la fête français a bien. Les États-Unis a besoin vraiment, ils ont passé tout le temps 1915, ils ont mettait pied dans gorge, ils ont entendu nous, ils ont pris tout ça qu'ils étaient comme ressource. Je dis ils ont wap émergé, ils ont wap goumé pour sous cap retirer tête tout. Chaque pas qu'on fait, ils ont aller puis ils font faire back. Yo fait complot, yo entendre yo faut payer pour indépendance, je dis à chaque fois parler de restitution. Yo ouais si vous avez des monde de caractère et de dimension qui vient prendre pouvoir là, qui cap faire payer l'argent restitution, yo mettez bouleversant dans pays et yo pas servir avec l'autre monde, yo servir avec jeune garçon, jeune femme qui dans toute classe, qui dans tout secteur en dans pays à les personnes. Jean Desil dans les Ivenes, on va mettre mon entendre et Jean Desil à science de travail ça que PM Koni réalise avec différents cadres dans organes déconcentrés et en plus tout nouveau ministre économie et finance pour regarder comment que pour prendre des dispositions et dispositions financières pour permettre que l'État capable d'équiper ensemble de l'argent et pour que l'argent ça capable permettre que yo pote réponse ba peuple haïtien dans service que bal ba. On permettre que tande PM Koni et après ça m'bosser j'ai la fait là n'a fait entrer sortir dans analyse de yo ak débat et compréhension peuple haïtien. Et évidemment ça suivre installation nous fait jodi a le ministre conseiller qui est responsable garder à faire comment épurer, comment nettoyer, comment combattre corruption dans l'État. Nous devons faire ça bonheur dans le mandat nous, pour une raison très simple. Nous avons gardé la crise haïtienne, nous avons généralement problème de sécurité, nous avons problème humanitaire, nous avons problème de relance économique. Là. Mais fondamentalement, ça c'est un État qui n'est pas arrivé livré, qui n'est pas arrivé by service, qui n'est pas arrivé jouer Wall-E.
comme généralement on va attaquer mal la son pas attaquer maladie nous tout nous connaît que fondamentalement qu'on problème de mauvaise gouvernance de corruption qui est enracinée même la structure étatique là bien que nous gagnons pile en pile et nous t'a dit ça tout à l'heure mais nous gagnons pile employé l'état qui font un travail extraordinaire qui dévoué qui dédié qui vit dans travail tous les jours mais poche au gain qui continue à animer nourrir perception corruption rend l'état complètement inefficace mais beaucoup plus que ça le m'a regardé succès transition moi dit moi que pas gain succès transition si pas grand accompagnement continu entre population peuple là et gouvernement et pour ça donc faut nous recréer confiance population dans gouvernement et dans l'état faut population vraiment gain sentiment que son l'état cap travail pour lui pour améliorer conditions pal ça nous toujours dit les je dis ça là l'état doit un l'état serviteur son l'état pour venir servir peuple lui mais et bon l'état volo parce que en pile les femmes qui passent dans l'état dans l'esprit yo des lieux viennent dans l'état viennent volo les lieux viennent dans l'état viennent volo comme c'est les oh et moi qui viens dans GPI ça et moi égaré après tant bas sénateur encore après tant bas député encore après tant bas ministre encore après tant bas directeur général encore après ça mal dans misère la dîner qu'à tout maintenant avec femme non les lieux viennent dans l'état faut viennent volo et je dis c'est ça qui mettait dans le plus gros problème que nous avons là. Je dis hein, des bagages vous et pour mon pour les pour boire l'état. Par exemple, regardez là pour eux. On a quitté un secrétaire général MSPP m'apprendre. En pile de négociations faites de lui. Pendant que médecin résident, médecin de service, personnel et l'hôpital général, personnel de santé plein y, y a pas qu'à jeune étrange. Y a de plusieurs mois, y a de plusieurs. Ou tande des dénonciations qu'a fait pour dire que gen des moun qui nan bwa l'état nan de haut niveau nan ministère ça qui gen propre clinique privé yo qui gen propre bagage privé yo ben c'est ça qui fait y a prend bagage l'état pour capable mettre dans bagage privé yo donc jodi nous on l'état qui puisse camper sous volo que l'état ça servi peuple haïtien et si jodi PM Koni t'a voulu montrer que vraiment li voulait que changer l'état ça pour faire l'état ça vinn ça gagner comme mission que le gagner qui se servi population n'a dit n'a prend note n'a suivre n'a garder des histoires pas du bagaille bataille ça pas petit non c'était son bataille contre l'état oui oh gars qu'on est pratiquement en question déclenche bataille à côté il va gagner des qui dans communauté internationale là qui va en face là gagner des qui dans gouvernement qui avait là qui c'est des espions qui vous voyez pour corruption même qui va en face là gagner et oligarque corrompu parce que c'est à travers ça que vous faites ressources oubliez que ce corruption ça c'est lycée en cause là moi Jovenel ah oui oubliez que ce corruption ça aussi lycée en cause là moi Jovenel n'a pas un blackout n'est-ce pas que c'est eux-mêmes qui vendent asphalte, c'est eux-mêmes qui vendent machine qui produit asphalte. Jovenel Moïse dit non. Faut essayer à regarder comme chaque machine yo coûte. Faut qu'il y a regarder combien génératrice ou bien moteur qui produit courant yo. Qui côté sorti pour qui est-ce que était la Jovenel a fouillé zone Kalalou, lui ouais ensemble matériel ça c'était matériel, c'est matériel l'état que n'est-ce pas faire l'état payer pour lui encore. Pour produire courant, pour balle courant, pour vendre courant. Malgré ça, pour l'état matériel, il y a utilisé, il y a fait l'état payer courant, il y a fait blackout. Parce que vous-même, vous avez en parallèle, il y a 20 batteries, il y a 20 Delco, il y a 20 panneaux solaires. Yeah. Donc, il y a une population à l'acheter l'autre bagaille. Et ça, il n'y a pas besoin de faire la situation. C'est le même genre, où on est qui vient là comme ministre de l'Agriculture, ou dit qu'on vient faire réforme pour remembrer l'agriculture. Je vous garantis. Nous garantissons que nous sommes capables de dire que vous venez dans le pays. Papi, papa, vous n'êtes pas trop content. Vous avez mangé, vous avez assassiné, vous avez venu. Vous avez dit que vous avez connu. Comme pas un mec de manger, Jean-Baptiste dit, le monsieur était malade, c'est ton frère, il était bali pendant le temps de manger avec les gars. Mais pas qu'on est. Monsieur Arangel, il joue quelque temps son mental, c'est un garçon lié, parce que c'est un combat lié. Si c'est un combat pour le pays, ensemble des forces vives qui gagnent dans le pays, à accompagner. Parce que ça, c'est un gros point qui est lié. Parce que corruption, c'est synonyme tout problème que nous avons dans le pays. Mauvaise gouvernance, corruption. Parce que, bon, nous avons ici et bon, nous avons dit ça, tout ça. Et ça m'a dit, on va obliger d'accord avec nous, mais c'est la vérité que lié. Qui a pile gros fonctionnaire l'État, c'est agent double et secteur privé et tout. Ah oui. Bon, moi, prends ça pour nous. Qui a pile gros fonctionnaire l'État qui, dans
org et entité indépendante de contrôle corruption l'État. En pile la directeur sa yo, en pile la gros chef sa yo, yo c'est agent double secteur privé. Ça veut dire ou c'est ou ka saisi ouais que pendant que l'État paye nèg sa oui, et mais li gen des gros patrons dans secteur privé ka paye parce que ki ont ensemble de gros dossiers pour le boucher pour yo. Et c'est là parce que koni même zo bagay bien koni. Pas ouais corruption seulement en dedans l'État comme si de fonctionnaires l'État, d'employés l'État pendant l'État encore qui est à l'étranger, chez qui on a sorti, c'est vrai ça faut couper ça sept, mais qui est qui bon directeur, secrétaire d'État, bah qu'on est chef comptable salarié hein, et ministre tout, qui en dedans l'État, il y a travail pour secteur privé à tout, il y a travail pour secteur privé hein, donc faut comprendre bien tout que faut ou commencer à nettoyer. Cherchez qu'on est même en entourage, dans entourage ou, qui est-ce qui c'est agent double pendant qu'il est beaucoup là? L'histoire dit qu'ils sont ministres, ils sont directeurs généraux, et ou pensez que la fait travail l'État, ou bon, mais la fait travail secteur privé. Hein? Parce que, qui bon, tu as des Zimbabwe dit, quoi qui bon, vous entreprise, je dis là, l'autre avou est de comptable l'État à faire, à contrôler. Y'a que deux cahiers comptables, oui. Y'a que deux cahiers comptables. Un cahier comptable pour agent et des GIO, et puis un cahier comptable qui caché en bas. Je dis, les agents de GIA allaient dans l'entreprise, est-ce que va pas acheter? Parce que il y a dit, mon cher, mon 50 000 gouttes, non. Mon cher, mon 100 000 gouttes, non. C'est faut garder la bien. Pas garder seulement nos mauvaises gouvernances de l'État, mais il faut garder la corruption dans tout niveau. Parce que, imaginez, ancien président Jovenel, alors, président Jovenel Moïse, parce que, vous avez dit, pas même, et ancien, président Jovenel Moïse, c'est tout bagaille. Les questions, blackout, là. Président dit, mes amis, attendez bien, oui. Paye après 3, 2 séries pays loc. Premier mois pays loc, 20 millions. Deuxième mois pays loc, 20 millions. 20 millions. Regardez, paye pas de courant, 20 millions. Et sa tête qui se n'embarque là, c'est que, compagnie privée, ça gagne 12 millions, EDH gagne 8 millions. EDH gagne 8 millions, et compagnie privée, ça gagne 12 millions lui-même. Mm-hmm. Donc, même l'État, qui connaît Zipkal Goumé, pour que ce corruption pas, cabane de et yam koni, ba bo manti, songe ça. Songe ça. Et pas paix moi des affaires paix nous. Et ceci dit, faut nous gagner série de moun tout. Qui ka prend, qui ka camper deux bout tout parce que pays a pas bon pour petit groupe moun. Pays a pas bon petit secteur moun. Li pas normal pour que cinq femmes qui bénéficie ce pays nanmeyo. Li pas normal pour cinq femmes qui kembe et la cause que 12 millions moun a souffert dans pays. Yon. Mais connais bien. Ouais, quand tu présentes la PM koni, ou quand tant de comme si Léo moun fouye mais non ni fumi. Gros tête ou dis-moi est-ce que le wal en met des ou des semiel. Mais quand tu vas fouiller mon la PM koni, li pa piti. Mais souvle ben on bourade. Dans question mauvaise gouvernance là. Pays a compte en pile. La compte en pile parce que je dis hein corruption, lycée Mac Fabric l'État. Insécurité, c'est Mac Fabric pays d'Haïti. L'autre dit Haïti, dit insécurité, pas vrai? Mais l'autre dit l'État ou dit corruption. Qui donc, de ça, yo, mettez Haïti dans le niveau côté là. Donc, je dis, hein, si vous voulez engager dans une vraie bataille, vraiment, avec toute équipe ou un, avec conseil présidentiel, yo, connaît bien, faut mettre quand son en taille ou, et ou prendre en pile frappe et assurer ou c'est autorité ou doit agir. Vous avez besoin de désir. Très bien. Jovenel Moïse, dans une allocution qu'il a fait. Il y a un monde qui va d'accord avec ce désir parce que ça, émission, Oui, parce que ça l'est, mon cher. Attendez. Jovenel Moïse dit de parler de il faut tout payer à gain pour. 24 sur 24. Il y a un qui dit, président, attention, dans le dossier courant, ça. Il va y avoir mort d'homme. Mais dans le secteur privé des affaires là, c'est ça que Gary Koni il besoin et jouer quelque chose dans ta ligne. Comme pas de pour l'autre bagarre. Comme Koni parti garçon, tout d'ailleurs, Kounia Blaise, est-ce que mettre là lui-même, il pas au profond de la corruption parce que il bénéficie des corruptions qu'a fait dans le pays? Parce que tout gros l'argent volé ou pas investi dans le pays, il a investi, car il y a dit qu'il mette Kounia. Exactement. Kounia, on regarde. N'est-ce qu'il y a un secteur privé des affaires là?
Et n'a qui notre ministère qui a fait petit coup taille tant pour les ti moun vicié par envoyer a fait ça petit bail derrière maman li ou après nèg qui dans secteur privé des affaires blessé personne nèg yo Antonio dans tout gouvernement qui a monté yo arrangé pour yo gourmet pour c'est eux même qui gagne douane directeur douane non qui gagne douane qui gagne la douane qui pratiquement qui la douane qui bail ministre économie en tout ministre économie à qui entend yo ministre justice direction générale des impôts DGI. Parce que c'est à travers là que l'argent payé a collecté. Depuis que vous avez pas goumé pour l'autre bagaille. Y a goumé pour ministre finance et économie. Y a goumé pour la douane. DGI. Y a goumé pour DGI. Parce que c'est à travers ça. Yo. Toute falsification des chiffres, c'est là que nèg fait. Si Gary Conny voulait entendre pour le mettre pays à sous nèg qui dit dans le secteur privé des affaires, qui dit c'est celle même qui visite des salines, qui a fait l'argent en dans le pays. Arrangez-vous pour payer ça ou de payer. Parce que je dis un petit malheureux, un petit malheureuse. Faut qu'on tenne qui sont aux États-Unis. Pour le voir, un petit cousin, un petit matote. Après, il fait 10 copes sous goût, tout ça le voir. Parce que les gens font contenir à l'ivoire. C'est acheter, l'acheter. L'acheter et l'y dépenser là-bas. L'ivoire là pour faire 10 millions de fonds. Malheureusement, comme les gens entendent, ils disent que c'est le groupe qui peut faire quoi. Ils ont contrôle la douane, ils ont bloqué. Ils ont géré à faire pas. Je veux dire, faut qu'on finisse avec ça. Faut que nous rendons que nèg yo paye, ça ou de payer l'État. Yo pa ki doit comme en pile fois, nèg yo pa paye, ti ça ou bay là, c'est dans l'État, ça tire comme parce que c'est eux-mêmes qui mettait X ministre, Y ministre qui prend comme là pour bay pour ka faire similaire pour monter que yo paye. Bon ben avec. On continue avec PM Bruni. Son l'État cap dépenser chaque goutte, chaque centime en bon père de famille et de façon responsable. Son l'État qui pas gagner tolérance, qui n'est pas tolérer impunité pour les gens qui font ça que pas ça avec matériel l'État, avec bien l'État, avec l'argent l'État. Faut que la population ait un sentiment que l'elf baille contribution, que la contribution l'a bien géré et que les gens qui ont géré l'État a tenu responsable pour ça qu'ils fait avec bien l'État. Succès transition. Que ce soit au niveau des élections, que ce soit au niveau de la sécurité, que ce soit au niveau de la relance économique, lié dans tout à rétablir confiance. Approchons l'autre type de gouvernement, de gouvernance et de gouvernement. Donc voilà pourquoi nous sommes capables d'accompagner là et nous se font bonne heure et plus de discussion. Côté nous font tour de table, nous tendez sa expérience, dis-nous. Nous tendez sa expérience, dis-nous en termes de qui sac marché. Qui ça pas marché côté ba yo bloqué qui ça fait que malgré le fait que nous gain toute institution ça yo gain très peu de conséquences pour des actes d'abus de instrument l'état yo fait des recommandations très très claires de ba que nous quand entreprendre tout de suite et très rapidement pour améliorer circonstances et fonctionnement efficacité efficience l'état et dans les prochains jours nous va prendre une série de mesures justement pour nous assurer que bah, ça a changé. Une chose que nous avons aimé, c'est que la transition ça a fini, nous quitter ça nous joindre en meilleure condition, mieux appropriée, plus solide pour continuer à faire travail. Moi, quand je dis nous là, déjà, je prends compte que jusqu'à 30% de personnel de l'État toucher l'État, comme l'État, et pourtant, il n'y a pas en fonction, il n'y a pas là. Ça, c'est des bagailles que nous avons obligé de corriger immédiatement et nous allons prendre des dispositions pour nous corriger. Moi, je dis que déjà, nous avons trouvé certains abus dans certains domaines bien spécifiques dans les, sur lesquels nous croyons que nous avons agi immédiatement. Nous engageons, par exemple, pour nous prendre des dispositions rapides sur question de transparence. Nous allons faire des suivis immédiats pour que implication population, compréhension population, là, ça n'a fait, comment on a fait, pour qui ça n'a fait, nous avons garanti ça. Nous avons dit là déjà que nous pouvons prendre des dispositions pour nous interdire l'administration, mettre le système en place pour collecter l'argent qui n'a pas droit de faire ça. Ça, c'est une disposition nous avons prendre tout de suite. Technicien qui DM nous dit que le conseil de cadre légal qui déjà tout paré, qui est entré en mesure très rapidement, nous allons prendre mesure pour sa fête le plus rapidement que possible. Nous avons dit que nous allons prendre disposition pour nous adresser problème et purement payroll dans l'administration.
Nous allons prendre disposition tout pour assainissement, distribution, carte de débit. Ça, c'est des bagailles que nous avons fait tout de suite. Sur une base un peu plus moyen terme, nous allons travailler sur une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Et là, en cas de préparation, ça, on a invité la société civile là pour le bail opinion, pour le jouer Wally, pour le faire contribution. Nous allons développer une feuille de route nationale de lutte contre la corruption pour chaque institution de contrôle. Et nous allons développer une cartographie, une matrice nationale des risques et des actions ciblées pour mitiguer selon le niveau d'impact et de vulnérabilité. Ça veut dire, que nous avons essayé de comprendre côté gain plus gros risque de corruption, côté nous gain plus habitude gain problème pour nous mettre en place une série de dispositions pour ça pas fait encore. Moi c'est que c'est déjà un premier pas significatif pour lancer un signal très très clair que ça fait partie de bail que nous on va l'approcher de manière très déterminée. Déjà ça me content. Ouais, je dis, c'est que j'ai des techniciens très très avisés qui font un travail remarquable et si ont l'appui et la capacité qu'il le faut, m'a aucun doute que y a livré ça et doit livrer. Moi je viens dans discussion me fait à leur engagement sans fin pour nous combattre la question de corruption hein, aussi loin que nous devons aller pour que les gens qui tenu imputable et que finalement l'État haïtien servit le peuple haïtien. Donc c'était un peu contexte discussion ça. On a rappelé que semaine ça, nous passons au moment là CEP parce que la question électorale est importante pour nous. Nous visiter le conseil électoral là, nous rencontrer staff là, on a commencé à prendre des dispositions pour avancer sur le dossier ça. Nous apprenons tout que n'a pas avancé soit fait sécurité hein, nous fait plusieurs rencontres en ce sens, nous mettons en place les dispositions qu'il faut pour que rapidement nous commencions par la population satisfaction sur tout ça. Semaine de mai, vendredi, samedi, tout le gouvernement a fait 2 jours de retraite pour nous réfléchir sous feuille de route action concrète qui consistant avec accord toi là qui permettent nous voir exactement côté nous pour aller sous les grands chantiers. Mais tout aussi important pour nous, c'est que nous avons l'État qui reflétait, j'aime te dire la première fois, dignité peuple haïtien, conviction peuple haïtien, résilience peuple haïtien, générosité peuple haïtien. Mais parce que il est l'heure pour haïtien, bon gouvernement, qui reflétait mon lié vraiment. Et ça, son premier démarche pour nous capables de faire satisfaction. Ça. Je m'en prends quelques questions, pas en pile, mais. Un nouveau souffle, un nouveau niveau d'énergie pour nous réconcilier police là avec population. Nous connaissons, me dit nous ça plusieurs fois, succès, effort que nous avons fait dans la sécurité. Et si le problème sécurité, ce n'est pas seulement une responsabilité de police, c'est une responsabilité collective. Mm-hmm. Il est excessivement important que la population haïtienne sentit que l'impliquer dans la démarche de retrouver sa sécurité. Et nous pensons donc que venir avec un nouveau regain d'énergie ou une certaine fraîcheur dans cette police là à permettre nous faire ça, à permettre communication ça entre population et police là. Non, nous pouvons entrer dans le détail en termes de feuille de route avec nouveau chef police là puisque nous pouvons même installer, mais certainement très très vite nous pourrons le chita pour nous discuter ensemble de comment nous pourrons avancer sur question sécurité. Ce qui concerne mission là, nous croyons vraiment, sur base de toute discussion, nous fait que président Kenya et Kenya ont de bonne foi. Ils voulaient vraiment accompagner nous, supporter nous et ont paré pour nous engager. Nous, évidemment, il y a des contraintes que nous sommes obligés de gérer et nous persuader qu'il a fait tout possible pour nous gérer et pour nous supporter nous le plus rapidement que possible. Mais continuer à dire que responsabilité sécuritaire, c'est d'abord responsabilité pas nous. Et nous avons les moyens, nous avons les capacités qu'il faut, nous avons les connaissances qu'il faut pour initier propre démarche, pas nous. L'autre acteur a venu aider nous, il a venu supporter nous, il a venu accompagner nous. Mais rétablir la sécurité pays, nous, c'est responsabilité pas nous d'abord. Donc depuis 2 semaines qui sont passées là, il y a des discussions continues avec tout le monde qui est impliqué et qui est intéressé par la question sécurité. Nous discutons en long et en large de ce qu'il faudrait pour nous plus efficaces en question ça. Vous êtes avec nous probablement
en début de semaine et ouais 455 nouveaux gradués qui paraient pour rejoindre force spécialisée pour venir prêter le flanc pour venir prêter le bras. Nous prenons des dispositions tout là qu'on y a pour nous renforcer en termes de capacité, en termes de matériel, en termes d'entraînement pour donner à la police nationale et aussi à l'armée tout instrument au besoin pour jouer au rôle. Yo. Matin aimé que haïtien quoi que à aucun moment que succès effort nous pour nous rejoindre sécurité nous a transmettre li ba une entité autre que nous-mêmes. Et c'est la première chose que nous voulons souligner. Donc, sous trois questions, vous avez à peu près comme ça, vous avez approché. Merci. Discuter de questions ça. Je vais vous avec vous à 4 heures pour me discuter entre autres de questions ça. Donc, quittez-moi tout le monde sous l'île, s'il te plaît. Dernière question. Il se trouve que, au fil du temps, nous découvrons que vous avez des bagages pour vous approcher. Il a bien pour il a tenu imputable même j'ai à tout le monde ça me assure de ça nous avons bien zéro tolérance pour qui que ce soit qui ait des actions que l'autre prenne pour lesquelles il doit tenu imputable. Par contre m'a profité du bagage le monde fait sacrifice sa vie parce que son sacrifice lié moi j'ai habitude et c'est pas seulement en Haïti nous le plus en plus à travers le monde yo systématiquement attaqué dans caractère yo dans ça yo fait dans ça yo pas fait là c'est une tendance qui a bien comme effet pour l'effrayer tout monde de bonne foi on ka dire que par exemple on t'a essayé monter gouvernement combien cadre excessivement compétent que mal cherché qui dit justement yo pas participer parce que yo connaît que automatiquement yo dit oui a une batterie de critiques et d'attaques sur les réseaux sociaux qui fait sous caractère ou qui met la famille en danger et à cause de ça yo pas voulu participer. Donc nous c'est pour nous jouer une balance entre les deux. Le nous gain indication qu'un individu qui qu'il soit ou quel qu'elle soit violer la loi ou fait ça que pas ça, nous supposer très ferme prend responsabilité nous et tenu imputable. Mais de notre côté tout nous pas supposer sous base rumeur, allégation non prouvée, sous base présomption, nous catégoriser mon tout dans des catégories que nous pouvons gagner aucune indication pour nous croire que ça a dit non, c'est vrai. Ça c'est Gary Kouni encore qui montre que volonté que le gain des Ivenes pour le bataille contre question corruption et même question insécurité dans le pays et j'en dis hein, je dis à des pas de Haïti, yo wè Mac Fabre lycée insécurité, clair? Quel que soit étranger haïtien parler avec la ou dit Haïti, oh pays insécurité va. Ça veut dire ça c'est un gros bagage qui pour que équipe qui là bataille travaille sur lui. Mais kouna l'a dit autorité bois l'état haïtien yo wè yo à corruption. C'est qui bande voleur, ceux qui bande qui braille voleur, qui braille faire ce qui braille faire ça. Donc ça yo m'pense que c'est deux gros chantiers, honnêtement, capitaine équipe qui l'a, pas seulement Gary Kouni, mais et la présidence pour le travail sur ça, yo, et permettre que, gon li yon d'espoir qui créé, et m'toujou dit, pas jeudi, pas demain, 4, 5, 6 ans, 10 ans, 20 ans, au moins pays ça, ou bien jusqu'à l'infini même, pays ça, avoir au moins qu'on est vraiment retourné sur le programme de développement et là-bas envie vive. Et là ben haïtien qui n'a diaspora ou envie tourner la caillou parce que grand pile au matin de coûte en là yo besoin tourner la caillou yo besoin à vivre la caillou clair ensemble dedans grand pile ou besoin tourner la caillou qui besoin à vivre la caillou parce que yo suis certain que yo pas capable encore c'est vrai côté ya ba ou ensemble d'opportunités OK ou ensemble de garanties qui ont gagné mais gain que ta bien aimé après pile année pile ça fait après di yo peut-être que tu as voulu aller pour un petit restant, la caillou, parce que quelqu'un qui veut aller dans un médicament, traitement naturel, aller dans la couille, aller dans l'habitation, et malheureusement, que ne peux pas aller parce que quand on la caillou, il y a les Ivenes. Et après ça, je vais venir avec, je vais laisser Natus. Ça a passé dans le pays, hein, et il clair, moi-même, moi que Gary Kouni qui fait 12 ans, qui peut pas vivre dans le pays consécutivement, il pratiquement arrivé à comprendre, puis gros problème pays, c'est corruption. Et corruption, li générer problème insécurité à tout effet social yo faut au moins bon bagaille qui vive fait
attaquer corruption, c'est chercher résoudre problème que pays a fait face, c'est créer possibilité pour diaspora à rentrer la caille, c'est créer possibilité pour faire mes vannes qu'a rentrer les armes dans pays. Parce que mettez contrôle dans l'administration publique, parce que les nèg a fin voler l'argent dans trésor public là, faut qu'il au moins créer une façon li rend que la justice impuissant, li rend la police impuissant, yo même yo continue à piger à faire pas. L'important, li nécessaire pour nous prendre responsabilité nous dans bataille pour changer, dans bataille pour rendre bien-être pour tout le monde, li rive respecter parce que Jean-Jacques Dessalines, li té mouri pour ça, pour répartition des biens, bien au besoin, répartager avec peuple haïtien, mais c'est les pas gain corruption encore, c'est les gain possibilité. Ensemble, nous qui gain chèque moi dans l'administration publique là. Qui n'ont pas dans le pays, ils n'ont pas de travail depuis le premier dans le mois à tomber blessé personne, ils sont le premier monde qui a checké son account pour essayer de faire virement bancaire pour eux. Et c'est pas grave, pour pas que l'école qui n'a pas fonctionné, professeurs toujours manifestés, policiers toujours trouvés dans une situation très difficile, problème logement, pour eux, ils ont l'école. Ensemble de l'argent, ça, le cap vient investir pour utiliser le pays et retirer le pays dans une situation difficile qu'elle nouvelle. Jean-Kendé Zilandez Yévenès, nous t'ai annoncé la mise en contexte. Non? Concernant Germaine Joly alias Yonyon, qui t'a dirigé au premier temps équipe 400 Marozo, bandit criminel notoire, et qui t'a bâché une arrestation en Haïti et qui t'a pris extradé États-Unis. Yonyon, côté qui pour créer États-Unis décidé, et après tout ça, il reproche Yonyon qui est plaidé coupable, monsieur qui est pour le temps, et pour créer un mandat pour monsieur t'a passé toute 13 villes en prison. Mais avocat yon yon même, mandé c'est à 17 l'année pour que yon yon ta passé dans prison. Ok? Mais ça qui pire de pitre qui s'en barre là, c'est que yon yon fait un ensemble de accusations. Bien dit oui? Il y a ça accusation. Li accusé ancien sénateur l'USPI hein? Et ancien qui c'était ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince, n'a parlé de Jean-Renel Senatus. Que tout le monde connaît ce nom Zokiki. Donc on qui gosse bataille qui monsieur terminé l'été commissaire gouvernement dans question et nèga gè 40 ans l'a dit balle de ti 15 et dit balle de ti moun de ti 15 fait 4 et dit balle de ti wawa ti moun ti yo bay ti olé pour faire créer pour plaisir avec yo et ça monsieur terminé un gros bataille contre ça et c'est ça qui travaille qui t'appelle bay monsieur crédibilité et ensemble de notoriété pour le rivé comme sénateur l'USPI. OK. Mais je dis, après déclaration yon fait, est-ce que quelqu'un qui commence à perdre sa toute crédibilité que tu fais avec le Sénat, ce que ne pas connaît? Est-ce que tout ça yon dit c'est vérité, que ne pas connaît? Le Sénat, c'est un homme de loi, il connaît ça la loi dit même à l'échelle internationale, il connaît tout ça qu'il est capable de poser comme action, comme poursuite avec déclaration yon. Mais non, yon interview qu'il te fait avec confrère nous et concerne dans la radio télévision Caraïbe, Johnny Ferdinand et Guerrier Dieu seul à dernier Oximab, eh bien, sénateur a parlé. Il dit appelé causé. Par contre, si nous avons entendu tout et déclaration interview ça, mais bon, permettre nous entendre au beau parti la donne, n'a jugé nous-mêmes de vérité, n'a ça qu'une comprendre de ça, j'ai eu un sénateur qui même dit. Travail pour sénateur ou bien supporter candidature, li, ancien parlementaire, d'après ça, le raconter, te montrer, et monter, pardon, un plan contre lui. Salut, Sean Seville, dit nous, mais amiral de la portée. Il y a une série d'accusations. Jean-Renel Senatus lui-même, vous voyez, j'étais bien loin. Il fait qu'on n'est pas connu, ni en peinture, ni en peinture. Il n'est pas connu côté l'habité non plus. Ancien commissaire gouvernement, dit amiral, il a joué un gros rôle dans l'arrestation de yon dans le pays d'Haïti. Et c'est pour ça même, yon a menacé avec toute parole, il était obligé de quitter Gantier. Comme annoncé maintenant, nous allons parler avec ancien sénateur Jean-Renel Senatus, pas nous-mêmes pour nous. Juger ou bientôt pour René Blanc dans la neige, mais comme acteur, comme ancien sénateur, comme politique, l'important pour nous connaître qui sa version parlait par rapport aux accusations de Germaine Joly alias Yon, nous a bien aimé connaître qui relation sénateur lui-même lié avec Yon, est-ce qu'il connaît Yon, pour qui ça c'est lui-même Yon dit, c'est pas. On l'autre, ensemble, question ça, on va le faire. L'essentiel échange nous parle de matière avec ancien sénateur Jean-Renel Senatus, que nous avons dit bonjour, bienvenue dans la première occasion. Bonjour Johnny, bonjour Guerrier, bonjour Madame Abdiani. Moi, je voulais saluer Patrick Monsignac, PDG Radio A, et nous permettre d'être Dieu pour me saluer toute Haïtienne et Haïtien Captain Dim. Moi,
a parlé dans radio et me doit présenter excuse-moi ben en pile monde qui pas d'accord crédit RTVC une responsabilité envers pays ça que m'engager me là-dedans dans la question politique et depuis là me t'ai rentré dans politique en 2005 Yolène Gilles était dans une organisation que les NCHR il était dit sénateur qui sont rentré là moi dit ça me faut que monde sérieux qui rentre dans la politique là pour faire autrement. Il songeait me dit politique c'est un bout de bâton qui bade avec matière fécale quel que soit coto essayer manil mais on va sale. Yolène Gilles l'a dit là, il dit ça dans rue d'Henri devant tribunal de paix section sud depuis 2006. Et c'est exactement pour me répondre à famille yo pour me dire à zanmi yo à partisan yo nous faisons pied bois, nous pas qu'à empêcher quel que soit oiseau à monter sur nous. L'elle sorti pour le faire niche n'a voyé roche derrière. Il pas qu'à arrêter sur nous parce que nous pas qu'on n'a connivence avec vagabond ici. M'a répondre une question là pour me dire ou poser première question qui relation que m'ta ka gagner avec voyou ça qui doit condamner 24 cap vini là 24 juin. M'a dit aucune relation. Aucune relation. Dans la mesure où moi-même, je suis Bourget, c'est Gantier. Je suis quitté Gantier à 13 ans. Je viens de l'école Port-au-Prince. Et si on regarde l'âge, monsieur, moi-même qui est dans la cinquantaine, donc il y a une grosse différence entre moi-même ensemble avec lui. Pas ton nègre que je suis quand même reconnaître. Sinon, s'il t'a vu dans un centre professionnel gratis, que je fais dans la cour de Gantier. Avec grâce possibilité pour ta contrat avec moi. Que dans le centre professionnel me fait gratis pour jeune garçon ou jeune fille gantier pour pas entrer dans gang. Permettez-moi de faire une mise en contexte pour nous. Moi fait 9 mois dans tête parquet de Port-au-Prince. Nous sommes dans parquet jusqu'à journée jodi a pas gagne monde que j'aime ka dit et nature Jean-Renel te confesse s'il te confesse ça. Arrêter mon illégalement pour l'argent, libérer mon illégalement pour l'argent. Ou bien rentrer dans connivence à quelque soit vagabond dans la ville là. Nous sommes sénateurs, moi rentré, nous sommes commissaire du gouvernement, moi rentré comme sénateur dans le Sénat. Nous sommes grâce à Dieu, pas gagné qui a cité nom, non, rien. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas essayé. Moi, tendez, j'en entendais là, une lettre que M. Saar voyait par le tribunal. Qui va le juger, lui, les lettres là, une lettre de clémence. Et dans l'aide de Clémence Lan, il a montré la faire aller pour montrer comment on tape bon timon, c'est la ville qui gâchait pour être capable de réduire la peine. Et dans l'aide ça, c'est la dedans l'université. Non, bon, dit, yon yon pas dans la première condamnation, tout le monde dit comme ça. Yon yon arrêté en 2014. Comment l'arrêté? Yon yon zone qui est le petit marché qui est lié. Qui c'est principal centre économique Gantier. Yon ça a un groupe gang atli qui a cassé pour yet moun ti marché telier, tiré sou yo, bat yo, et Michel Bill mande ou yon bagay ou pa balil, li a les âmes, li tire ou. Tout moun konne ti nèg kout la, li mande ou bagay balil. Moi-même, je suis là en 2011, et c'est là bataille après a commencé. Là, c'est Terminus, Prince, qui était dans le DCPJ. Ils ont osé, ils ont kidnappé, ils ont tiré les gens qui Mikana Senatus, qui ont sorti Fonverette, qui n'est pas famille. Mais puisqu'ils ont les Mikana Senatus, DCPJ, ils ont demandé, est-ce que ils ont famille qui kidnappé Gantier? On dit non. DCPJ dit, oui, ils ont kidnappé. Li nan zone kay ancien ministre Gérard Orselia nèg yo Marie Lancon donc y a vini est-ce que m ka aide yo m di pas gen problème vini là ou vini m te gen 40 moto que m te acheté pour me dire monsieur ou fait taxi moto moi dit DCPJ voye nèg ki ka roule moto non encercle kan côté yo Marie là et là nèg yo la police a marché sou yo la yo quitté Mikana Marie non pied mango moi même ça t'a énervé m parce que un c'est un fille deux li signé sénatus roi qui bon kafou bod qui tout près la caille moins bougé et de là m'tra dit faut nous fait tout ça nous connaît
pour ne pas quitter ces vagabonds, ça a continué à faire des ordres. Nous, je suis en 2011. En 2012, mon commissaire du gouvernement, moi, monté Grantier régulièrement. Quoique, pas commissaire Grantier, mais pour que présence moins en haut, fait que vous compreniez, je ne vais pas faire. En 2012, moi, dans le parquet Port-au-Prince, moi, après, j'ai un coup que je prends au niveau de, je dis moi-même qui prend quoi, parce que c'est juridiction, au niveau de Gérald Bataille. Il y a une dame qui a sauté non, quand j'expresse, et que dame non, puis une petite cobla, n'est-ce que tiré dame non, je prends cobla. Moi-même, moi prends un cortège avec le policier, je pique sous Gérald Bataille. Le bruit de Gérald Bataille m'a cherché, m'a flashé, non pas qu'à avoir les yeux qui suspectent, parce que je dis que la criminologie, je connais, le criminel retourne toujours sur la scène du crime. Je ne pas qu'à joindre, moi ça me pique sous zone Fleuriot. Et Florian Bralwe, nous allons jouer un petit vagabond en haut, dans même gang qui est le Texas, dans le moment, qui est le Bébi, qui est appuyé sous mu et cinq coins qui est au niveau Florian. Nous faisons, monsieur, nous mettez en bas, pompe gasoline, non, pour tourner vite près, monsieur. Nous tournons vite près, monsieur, monsieur, la police tire sous le policier. Il volait pour tomber son tête en mu, car il est sous cimetière là, il est tiré. Yo maré yeux, le vin bon rapport dit monsieur blessé, yo maré, il y a pas achevé. On dit non, je suis là comme commissaire du gouvernement, on pas qu'à autoriser achever moun. Bon rené la police, n'a maré, n'a fait dossier pour le tribunal. Ce dont j'ai fait. À partir de là, on commencé des problèmes sous Grantier. Bébé a acheté 9 mm, il dit c'est sénateur Jean-René qui vous parle. Ça veut dire moins la tuer à